deuxième partie de Sarthe et moi de la Touche avec Daniel Cadeau, le président de l'association Groupe Mali Arnage, et puis le maire de Ciel-Guillaume, Gérard Galpin. Messieurs, pour démarrer cette deuxième partie, je vous propose une petite balade. Notre roi soleil à nous est là, juste là, c'est Pascal Mariette. Bonsoir Pascal. Bonjour. On va parler évidemment patrimoine ce soir. On va commencer par l'auberge du Pilier Vert qu'on peut trouver à Ciel-Guillaume. Oui, on va se rendre sur la place du Marché aux Bestiaux. Ouais. Alors la place du Marché aux Bestiaux, c'était vraiment un lieu de vie il y a encore quelques dizaines d'années. Hein. C'était vraiment la place où il y avait la vente des bestiaux et on trouvait les grands marchés. Mais il y avait surtout aussi des auberges pour accueillir les gens de passage ou les gens qui venaient de loin. Alors il y avait l'auberge de la Belle Étoile, le plat d'étain, les trois rois, et puis un petit peu plus loin dans la rue Dorée, il y avait le grand Saint-Jacques. Et ce qui reste surtout, c'est l'auberge du Pilier Vert. Malheureusement, je ne sais pas si M. Galpin peut nous le dire, mais je crois que c'est fermé actuellement. C'est fermé. Oui. C'est fermé. Mais le bâtiment est très, très intéressant. Il suffit de regarder un petit peu au premier étage où on découvre qu'il y a de magnifiques fenêtres, des fenêtres. Ça te parle? Ah, où il y avait des croisées, c'est-à-dire le meneau, etc. Donc, on est sur une maison du 15e ou 16e siècle. Et c'était surtout pour montrer que Ciel-Guillaume, il y a une richesse de patrimoine incroyable. Mmh. Il y a un château, effectivement. Il y a une église, on pourrait parler. Il y a un autre château qu'on oublie aussi au bord du lac de Sillé, on pourra en parler un autre jour. Mais il y avait surtout, à l'époque médiévale, une ville médiévale avec une vie économique importante et très, très, très importante. D'où ces nombreuses auberges. Voilà. Alors, Pascal, je voulais nous parler d'une... Surtout, sur cette auberge, il y a deux petits personnages amusants. Mmh. Il y a d'abord... Pardon. Vous les voyez ? Voilà, il y a d'abord un lapin, je ne sais pas lequel qui va pas. Non, on va commencer par le vigneron. On suppose que c'est un vigneron qui a sa barrique et puis qui est en train de fouler du raisin parce que on est. Ou alors, est-ce que c'est un apothicaire ? J'y crois pas trop. Il y a cette version-ci. Mais on est surtout dans une auberge. Et dans une auberge, qu'est-ce qu'on fait ? On boit du vin et puis on fait la fête. Et dans l'autre petite représentation, on a quoi ? Un petit lapin qui joue de la cornemuse. Qui fait la fête de la cornemuse. C'est magnifique. Donc à découvrir sur cette auberge. Très, très joli. Le nom ? Pilier Vert. Du Pilier Vert. Donc, comme l'auberge, comme le Pilier Vert au Mans. Une jolie marquise à présent. Tu nous as dit la plus belle du département. Pour moi, c'est la plus belle. Je ne connais pas d'autres. Alors, c'est pas une marquise. Non. Le titre de la marquise. C'est la marquise pour s'abriter. Voilà, pour s'abriter. On ne sait plus faire ce genre de détails dans nos beaux lotissements. On ne sait plus faire de jolies marquises ou travailler. Et là, on est à l'époque, à la fin du 19e. Hein, c'est l'industrialisation. C'est tout l'esprit des Eiffel qui est là. Et regardez les détails, les colonnes, les petits lambrequins qui dessinent. Vraiment, c'est un bijou. Et c'est dommage, c'est dans une cour, hein, c'est dans une cour sur la rue de la Tête Noire. Et il faut la regarder, on la voit depuis le porche. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et d'extraordinaire en Sarthe. Et pour moi, oui, il y en a d'autres, hein. Il y en a sur le Mans, mais même dans d'autres villes. Petite orangeade l'été, vraiment, sous la marquise, tout c'est vraiment la vie de la fin du 19e siècle et du début du 20e, avec toute cette qualité, cet art de vivre qu'on a perdu. Tes yeux brillent. Rien que d'évoquer ce sujet. Voilà. On va prendre la direction de l'Italie à présent. La rue de Bretagne, pour moi, la rue de Bretagne, c'est la rue qui monte, tout monte ou descend quand on est à Sillé, qu'on soit à la dans rue de Mayenne, etc. Autre, oui. Ça monte et ça descend dans tous les coins. Bref, la rue de Bretagne, c'est une très belle rue qui monte et qui est très bien exposée, plein sud, et où, depuis la fin, mais surtout depuis le début du XXe siècle, c'est construit de magnifiques maisons. Et là, on a des maisons, je dirais, des villas dans l'esprit, des villas italiennes, et on sait qu'il y a des maçons, on connaît leur nom, hein, Viano et Zocchetto, qui ont œuvré dans toute la rue, qui ont construit des tas de maisons. Et celle-ci est amusante parce que c'est vraiment la représentation de la villa que l'on trouve. Regardez celle qui est au fond de la cour, comme on trouve en Italie. C'est-à-dire, est super bien exposée avec sa rocaille sur le côté à droite. C'est vraiment, avec sa petite galerie, ses colonnes, un art de vivre. Donc, pas besoin d'aller en Italie. L'art de vivre du 19e siècle. Et je vous conseille de parcourir la rue en entier. Vous allez trouver des maisons d'art déco, une très jolie maison art déco en particulier qui n'a pas bougé. Vous avez des maisons un peu plutôt Deauville, hein, monsieur le maire nous dira, c'est vraiment, et en plus très bien exposé, avec un regard sur la vallée qui est superbe. Et justement, en parlant d'art déco, tu voulais évoquer l'ancien cinéma familial, pour finir. Oui, alors l'ancien cinéma, bon, c'est une salle de spectacle qui est municipale, c'était d'abord un cinéma, mais surtout, c'est l'œuvre d'un architecte de Sillé, qui est René Tassier, et qui a travaillé avec monsieur Faucheux, et qui était vraiment dans les années 30-40,
40, c'est les arts déco des années 40. Hein. L'art déco, c'est des années 30 jusqu'aux années 50. Mmh. Les arts décoratifs. Et regardez sur ces arts décoratifs, bien, on retrouve la faïence, tous les petits détails architecturaux, surtout sous la gouttière. Hein. On a vraiment ce travail. C'est vraiment un endroit, une salle de spectacle, comme on trouve un petit peu partout en France. Aujourd'hui, c'est encore une salle de spectacle, quelques exemples. Oui, c'est une salle de spectacle, cinéma numérique, donc c'est notre salle de cinéma, 230 personnes, et la façade va être rénovée. Donc, Et elle porte le nom de Léon Bernardo, aujourd'hui, qui est l'inventeur de la carte postale illustrée. Merci. Le créateur de la carte postale illustrée. Je reviens sur la rue de Bretagne, nos amis italiens, donc c'était pas des maçons, c'est ce qu'on les appelait, c'était des cimentiers. Voilà, le terme exact, voilà. Voilà pour la précision, mais en tout cas, la Dolce Vita se passe à Ciel Guillaume, tout voilà ce fait. Que l'on pouvait dire. Avec la maison du bord de mer, après. Donc, voilà, et donc, la salle de spectacle pourrait tout à fait ressembler à quelques exemples que je vous ai mis du côté de Paris, où on a ces salles art déco de cinéma. Merci beaucoup, Pascal Mariette, pour toutes ces découvertes. À présent, chers amis, on passe au Tu préfères. On vous fait deux propositions, vous décidez le choix qui vous le convient le plus. On va y arriver, on y va. Alors, on se tutoie, je crois. Hein. Oui. Gérard, tu préfères la lecture ou la musique ? Je préfère la lecture. D'accord. Voiture ou train ? Le train, j'en ai tellement fait de train. D'accord. Vélo ou marche à pied ? J'aime bien le vélo. D'accord. La mer ou la montagne ? Alors, j'allais dire les deux, parce que ma femme est du bord de mer, de Carteret, donc là, je vais avoir une histoire de famille ce soir. Donc, j'ai dit les deux. Les deux. La ville ou la campagne ? La campagne. D'accord. Et maintenant, en termes de le château de Sillé ou celui de Montmirail ? J'ai de chauvin, le château de Sillé. Je sais bien que Montmirail, il est très beau. Mais il est beau, Montmirail aussi. Le château de Sillé, une fois rénové, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire dessus, mais une fois rénové, ça sera un petit bijou. Alors, le bord de mer ou coco-plage ? Attention, pareil, vous allez rentrer conflit avec madame. J'ai un conflit familial ce soir, j'irai les deux. En coco-plage quand même. Les deux. Bon, d'accord. Allez, Fresnay-sur-Sarthe ou Saint-Léonard-des-Bois ? c'est des questions pièges. Vous fâchez avec monsieur Delpierre ou madame Labrette Ménager ? Je vais pas me fâcher avec Fabienne, mais je vais dire Saint-Léonard-des-Bois. D'accord. Conlie ou Cigri ? C'est gris. Ils ont une petite église qui a été rénovée, un maire qui s'est bien appliqué là-dedans, une ville dynamique. Mais j'aime bien qu'on lit aussi, c'est ma com-com, donc j'aime bien qu'on lit aussi, mais voilà. Alors, le Janière ou le Coteau du Loir ? Le Janière, alors là, c'est sans discuter. Okay. Avec l'omelette aux rillettes, c'est tout à fait ce qui va bien. L'omelette aux rillettes, ok. Les 24 heures ou les rillettes ? Les deux. Je peux pas choisir entre les rillettes et les 24 heures. Je suis aux 24 heures depuis l'âge de 12 ans, 12-13 ans. Donc, et les rillettes, matin, midi et soir. Et les rillettes, c'est, je vais dire même quelquefois, petit déjeuner, une petite tartine de pain grillé. Aux rillettes, c'est excellent. Dans le café noir. Pourquoi pas ? L'équipe de foot de Ciel Guillaume ou celle d'Arnage ? Mais écoute, j'ai intéressé Ciel Guillaume. Je sais que vous nous avez donné une leçon il y a quelques semaines, enfin il y a une semaine ou deux, donc voilà, mais bon, c'est pas grave. C'est du jeu. Et enfin, pour conclure, LMTV ou France Télévisions ? Oui, il faut choisir. Alors là, écoute, maintenant, j'ai quitté France Télévisions, c'est LMTV maintenant. Eh bien, parfait, on va pouvoir passer à la ville mystère. Alors, merci beaucoup. Avant de se quitter, on va jouer ensemble à la ville mystère. Un de nos téléspectateurs qui aura trouvé la bonne réponse pourra partir avec un petit cadeau offert par monsieur le maire. Qu'est-ce qu'on offre au téléspectateur qui aura découvert le maire de la semaine prochaine ? Alors, je vais offrir le livre sur l'histoire de Coco-Plage. Ouais. C'est le premier livre qui est écrit sur l'histoire de Coco-Plage. Et puis, la réédition que j'ai fait, nous étions cinq. Voilà, et puis, un petit sac de Ciel Guillaume avec une petite affiche. Un petit doggy bag, plein de petits cadeaux sur Ciel Guillaume. Il y a des crayons, il y a un peu de porte-clés. Allez, vous allez aider nos téléspectateurs et Daniel aussi, vous allez aider notre téléspectateur. La ville mystère est située à 30 km 400 de Ciel-Guillaume via la départementale 4. Monsieur Galpin. Non. 30 km 400. Donc, 30 km, allez, vous voulez une petite charade, ça va vous aider. Mon premier désigne un court voyage, une promenade que l'on peut faire en voiture ou entre amis. Balade. Non. Balade. Mon deuxième est toujours nouveau le 1er janvier. Très bien. Mon troisième désigne un vin effervescent français protégé par une appellation d'origine contrôlée.
Champagne, alors c'est un ouais. Champagne. Montoux est donc ma ville mystère. On y trouve un château qui porte lui aussi le nom de la commune. Non, il n'y a pas de château, donc... Je vais vous donner le gentil aidé. Les habitants s'appellent les Viréennes et les Viréens. Viréennes et Viréens. Bah, Viré en Champagne. En Champagne. Peut-être, si vous pensez que c'est la bonne réponse, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Merci beaucoup, monsieur Galpin, d'être venu sur le plateau. Oui. Ouais. Non mais 30 km, c'est les 30 km qui m'inquiètent. Ah bah écoutez, on fera la route ensemble jusqu'à Viré en Champagne alors. On en parlera à madame le maire la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir accueilli, c'est et toujours puis à un grand plaisir. Évidemment, Sartez-moi de là, c'est l'émission des maires, je le rappelle chaque semaine. Daniel, vous restez avec moi ? Volontiers. On va patoiser dans quelques instants avec le grand Serge Bertin et puis on parlera évidemment de tous ces beaux événements autour du Mali qui s'organisent à Arnage. Vous ne bougez pas. Merci encore à Pascal Mariette. On se retrouve dans quelques instants après une petite page de réclame. À tout de suite.